Bonjour, bonjour cher rabbin, bonjour cher Moshe, je suis vraiment désolé, et vous le savez très bien, de ne pas pouvoir être là pour vos 20 ans de présence au Rinci. Je crois que c'est d'ailleurs un tout petit peu plus, parce que vous êtes arrivé en 1997 dans notre belle ville du Rinci, et dans votre très belle synagogue. Je salue au passage le grand rabbin de France. Maintenant, nous avons l'habitude de nous côtoyer lorsque le grand rabbin vient au Rinci, pour que nous puissions échanger à la fois sur des thèmes religieux, mais aussi sur les thèmes de la société civile, ceux qui font que la communauté juive est en plein dans l'enracinement de la ville, est en plein dans l'enracinement de notre République française. Vous savez, cher Moshe, combien je suis attaché à ce que vous représentez, mais combien je suis aussi attaché à vous, parce que vous êtes un homme qui a su, à travers les âges, compte tenu de votre âge, quelques années, vous faire apprécier non seulement de la communauté juive, et c'est bien normal, mais aussi de toute une population. Parce que vous avez su faire briller le Rinci au sein même de la communauté, mais aussi parce que vous avez su faire briller le Rinci à l'extérieur, sur l'Île-de-France et même au-delà. Et lorsque vous m'envoyez ces SMS en me disant « je suis en Tunisie », j'ai parlé encore une fois du Rinci. Évidemment, mon cœur bat encore plus vite parce qu'il sait que vous êtes un des plus valeureux représentants de votre communauté, vous êtes le premier d'entre eux, mais aussi de la communauté du Rinci. Et en cela, je voulais vous remercier de toutes ces années que vous avez passées avec mon prédécesseur en tant que maire, et puis moi-même depuis 2014. Je me remémore juste avant l'élection municipale, cette rencontre que nous avions eue tous les deux. Et je vous avais dit, mon premier thème pour la communauté, c'est la sécurité. C'est faire que cette communauté rincéenne, cette communauté juive du Rinci, qu'elle sache que le futur maire du Rinci n'aura de cesse que de faire que toute la population soit en sécurité. Vous le savez, mes mots ont été suivis évidemment d'actes. Et aujourd'hui, tous les deux, nous savons que la communauté juive du Rinci peut s'enorgueillir d'être une des rares communautés à pouvoir vivre dans une grande tranquillité. C'est tout cela qui fait, vous-même, ce que vous êtes. Et je crois qu'au-delà de la communauté juive du Rinci, monsieur le grand rabbin de France, vous pouvez être très fier d'avoir eu un collaborateur, mais surtout un très grand rabbin qui puisse représenter votre communauté et qui puisse faire vibrer à travers la prière pour la République française, tout ce qui est dans le cœur de Moshe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.